Cette fois-ci, on va assister devant une justice distributive équitable. Donc, les droits seront correctement dits et on espère à son acquittement. Na requête en pouvoir au Ndeko Vital Kamir à Kotsaki. Et puis, le but est pouvoir les alliés recevables et plus affondés. On a cassé la décision et condamné Vital Kamir. Na cour d'appel, il y a Kinshasa Gombe. Comme biso na INC, na ministre de garder ka silence, to boy tolo ba biso mingi mingi. Comme la Bible nous dit, gardez silence l'éternel combattant pour vous. Il y a un gros de Zaka Nakati à silence. Mais à casser la décision de la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui condamnait M. Kamere pour ne l'avoir pas fait, la cour d'appel de Kinshasa Gombe a violé les droits de la défense de M. Kamere. Je vous rappelle que tout va condamner Kabango. Batangi kombo ya bandeko nyonso bazaki concerné na bazwaki condamnation et puis pour voir concerné ba munyonso l'honorable Vital Kamir a été jugé recevable et fondé. La cour de cassation venait de casser donc la décision de condamnation de Vital Kamir et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Gombe autrement composée avec certaines instructions précises. Ma mission TV, le miroir du monde. Retenir à l'audience de ce jour, c'est que la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui condamnait M. Kamere à 13 ans de suite pénale. La cour de cassation s'est fondée sur l'article 104 alinéa 3 du code de procédure pénale qui oblige les juges de fond à pouvoir se déclarer saisi seulement sur base d'une citation à prévenu. Pour ne l'avoir pas fait, la cour d'appel Kinshasa Gombe a violé les droits de la défense de M. Kamere. La cour de cassation, en ayant cassé avec renvoi la décision ou l'arrêt de la cour d'appel Kinshasa Gombe, la cour de cassation a instruit les juges de fond, à l'occurrence les juges de la cour d'appel Kinshasa Gombe, qui doit observer le prescrit de l'article 104 alinéa 3. Ce qui veut dire que la cause a été renvoyée devant la cour d'appel Kinshasa Gombe, autrement composée, qui doit réexaminer sa saisine et à l'issue doit réexaminer les fonds de l'affaire que nous espérons pourra aboutir en faveur de M. Kamere. Puisqu'au regard des éléments qui sont en notre possession, nous estimons que M. Kamere sera innocenté au niveau de la cour d'appel Kinshasa Gombe. Voilà ce que l'opinion peut retenir à ce jour. Est-ce que le président Kamere peut comparaître un homme libre cette fois-ci devant la cour d'appel? Évidemment. Et au niveau de la cour d'appel, même sa présence n'est pas nécessaire. Au degré d'appel, la présence du prévenu n'est pas nécessaire. À moins que les juges estiment que pour des raisons évidentes, sa présence s'avère nécessaire. Talingala. Avocat de M. Vital Kamere. Maître Poulous. Poulous Yeka Hugues. Comme l'a si bien dit Maître Fataki,
l'arrêt qui avait condamné le président Kamere à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du code des procédures pénales. Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on a cassé avec renvoi. Et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti, et fixée par devers la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire qu'au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette cour de pouvoir acquitter notre président puisque il est totalement innocent sur base des différents éléments. Qu'est-ce que vous assurez à la population congolaise pour l'acquittement de l'honorable? Il n'y revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que ferait la justice. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même le motif de notre pourvoi en cassation par les versets cours de cassation. Puisqu'on croyait à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens de droit par devers la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et nous sommes confiants, puisque les éléments sont clairs, le président Kamere est innocent. Et on va les démontrer. Cet arrêt a-t-il un impact sur les autres coéquipiers? Vous dites? Effectivement, l'arrêt qui est rendu profite aux autres parties. Maître, une autre question, bien que vous continuez à croire à son acquittement, mais si cela n'arrive pas, qu'adviendrait-il? Non, en fait, nous avons des éléments. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Il y a des éléments constitutifs qui amènent à l'établissement des infractions. Et nous disons que, pour ce qui concerne notre client Vital Kamere, les éléments constitutifs des infractions de détournement ou de corruption n'existent pas. Il n'a jamais posé des actes de détournement ou de corruption. Rien du tout. Nous vous rassurons, avec l'état des droits, nous allons démontrer devant les juges de la cour d'appel qu'il est totalement innocent. Et cela prouve que cet état des droits est en marche, puisque la haute cour vient de casser cet arrêt pour violation de la loi. Et là, qui saisit ? Cassé arrêt. Le 11 avril 2022, audience des allégués publics. Les allégués qui ont battu à Maté. Les allégués audience publique. Bah prononcer arrêt, wana. Bah casser arrêt. A bah casser arrêt, bah nous condamner président Vital Kamere. Oh, et puis ça qui est 13 ans. 13 ans, wana, et quoi, ils allaient sous-souter. Tozongi, Liboso, y a cour d'appel. Pourtant, là, c'est d'abord juge, y a cour d'appel autrement composé. Que makambo bosala ki bo respecta ki loate malo yo bosala oyo lo esengeli bosala nini kosala. Donc toza confiant muto ayibaka ifu yana ba preuve ka kota ki boye azwa ki mbongo boye mbongo koma ki na kona boye président Kamere ayiba mbongo te opinion cela ki déformé ayiba mbongo te azwa même pas un franc te na trésor public. Donc, on a dit que c'est un bon côté. Et à cause de la quitter, puisque l'état de droit est en Il faut que tu aies un bon côté. Il y a un dossier à M. Kamere, client d'Abisso. Il y a un dossier à M. Djamal. Il y a un dossier à
les gens qui ont été en ils ont été en train de se faire. Mais ils ont été merci beaucoup. Okay, merci. Okay. Merci. Okay. Merci. Okay. Merci. Okay. Merci. 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 Vital Kamere, pour Nambalami Balé, mais va respecter le droit de défense de Vital Kamere à Sengaki. Est-ce que Akitouma aura déjà probable? Jusqu'à la preuve du contraire, Ndeko Vital Kamere a toujours la liberté provisoire. Mais, quand il a déjà que Vital Kamere a bénéficié de droit de défense sur la défense, pour Sambami Balé, il a toujours espéré que cette fois-ci, il sera complètement acquitté. Maître Dolgitoye, papa Vital Kamere, il y a aussi des autres. Bon, normalement, Riquette, Oyo, Ezalaki, Ndeko Vital Kamere, mais Emema qui batou, Nyonso, Bazaki, Nakati, Batouana, na affaire, ya condamnation à 100 jours. Donc, ba prévenir Nyonso, Bazaki, concerné na dossier, na, ba Nyonso, Bazaki, Zonga, Soussou, devant. Cours d'appel pour Baba Ndila Soko Samba. Téwana babanda ki kosa la rappel, ya bato basali pouvoir, babanda ki kosa la rappel ya bato tout ba kondana ka bango. Batangi kombo ya bandeko nyonso bazaki concerné na bazwa ki condamnation. Et puis pouvoir ko concerné bango nyonso. Juste une minute en français là. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de l'audience d'aujourd'hui à la Cour de cassation? Oui, ce que l'opinion publique nationale qu'internationale doit retenir à l'issue de l'audience de ce jour qui a été principalement consacrée au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, on doit retenir ce qui suit. La requête confirmative des pouvoirs en cassation initiée soit introduite par l'honorable Vital Kamere a été jugée recevable et fondée. La Cour de cassation venait de casser donc la décision de condamnation de Vital Kamere et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Gombe, autrement composée avec certaines instructions précises émanant de la cour de cassation. Avec les autres co-acquisés. Avec tous les autres co-acquisés. Et quel est maintenant l'état de votre... Oui, vas-y. Et quelle est la situation, de votre client actuellement? Il a le moral au zénith, il est encore serein, il continue à clamer son innocence et il pense qu'avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, cette fois-ci on va assister devant une justice distributive équitable. Donc les droits seront correctement dits et on espère à son acquittement. Maître Tichik Fataki. Ouais, ce qui va bien ici, mais cela ne veut pas dire que Bango Nyo Soufoubaïa, Bazan, Bavoka, Bango, Bavoka, Bayaki, donc, va représenter Bango. On a de considérer tout ce qui a été dit par le premier juge. Donc, la décision dans son contenu est tombée. On renvoie l'affaire à nouveau devant le juge pour réexaminer l'affaire tout en respectant certaines règles qui ont été, qui ont fait l'observation par la Cour de cassation. Est-ce que la jugement de l'honorable président Vital Kamere est probable? À ce stade, je ne suis pas en train de prophétiser, moins encore de faire des prédictions, mais je suis en train d'analyser les faits et les déroulements du procès qui n'a pas encore eu lieu. Mais à voir ce qui s'est passé et ce qui s'était passé, nous espérons que cette fois-ci, l'honorable Vital Kamere sera bel et bien acquitté par la cour d'appel qui sera autrement composée. Aza busana Congo bozo sentir koto lipezate koto nzela koto Congo azo lela komia olena kolela alors o e komita ke nzambe na yo alobaye mokono procès alors bitango juge ya monde oyo ako disparaître na procès oyo jugement nzambe ye oyo nzambe lokole ye biso nyoso ba Congolais to linga Vital Kamere o to linga INC ezata peto ya kana INC to servir mboka parce que le tombeau est vide
et tombe et vite. Vital Kamerhe est pressenti premier ministre. Bon, on a les réseaux sociaux. 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 On a les réseaux. Donc bon, quand t'as une banque qui gagne, et le longwa qui a wa Vital Kamerhe signé qui a wa, n'est aux osés. Et mon ana quitté. Cour de cassation lobby va respecter procédure T. Alors va zonger la procès. Ti biso la souci na biso, ma kamonyo so esi la Vital. A zonger la musala naie à conserver le peuple naie. Ne ma kamoto zosing. Le comment quand on garde silence. Mais silence n'est pas ça silence à bonyamate. Silence n'a biso zali silence moko tozali kotala biso soba na yente tozali lisu likolo ya lisu comme kena cour d'appel oui tozozi na cour d'appel ya kokata mais pa na biso bana yente se trobomba te bomba bomba mabe pa na biso tozozi la justement acquittement ou rien biso tozozi la ngwa soba quitter Vital Kamerhe était c'est la fin qui justifie les moyens, c'est la fin qui justifie les moyens, c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà, OK. Boye, bote mon amboka. Na grosse interview. Ya Swahili si grosse ya mon Et le kotori kore, et le koba namboka ko retenir les lots et saka ke loko moko. Comme biso na yeni se na minute to garder ka silence to boy to lo babi so mingi mingi. Comme la Bible nous dit garder silence l'éternel combattant pour vous. Yango biso to saka na kati ya silence, mais bana nyoso yeni se bazande lisu likolo ya lisu. Ba namboka ba reconnaître que Vital Kamerhe azali innocent pa kotika la ka innocent yango biso ba na o ba retenir yango c'est la ka cabale ba montant contre Vital Kamerhe menzambe abandi ko limbo la bandi ko bimisa yango moko na moko tiko koma na suka le tuzana na cour de cassation, cour de cassation azongi se na cour d'appel yango tozali ko zela décision le bilo ko zela ngoko victoire regret des décisions à l'élo tozongo lokola la victoire tozongo lokola la regretter, mais décision à l'élo balobi même silence est une façon de parler on te voit non silence silence kaka na minute yo mais ba imbo kanyoso peuple congolais mobimba bazali ko réclamer ka gelo ko bazali ko singa ka gelo ko moko acquittement ya Vital Kamerhe comme que na cour d'appel biso to bi ba juge ya cour d'appel to bendi bino misu botala kanyaka te botala tango ya ko sauver mboka tile lobotala ndenge mboka kei mboka bando kende mboka bando kende bana mboka bola muka bofungola misu tozela ka ke loko moko comme na cour d'appel a kate la biso yango pe na bwanya nyonso to sengi ba juge nyonso bwanya lisu likola lisu peuple congolais za lisu likola lisu azozela kaka na cour d'appel mais na cour d'appel biso ba imboka biso ba congolais tozela ka ke loko moko c'est l'acquittement ou rien. C'est la fin qui justifie les moyens. Ne soyez pas pressés, mais soyez quand même prêts. Nous sommes prêts. Ba nambo kanyo so INC na kosenga bino tanga kola les alités. Botia lisu likolo ya lisu. Lisu likolo ya lisu peto garder attitude ya prière. Parce que Nzambe azali capable de transformer nyonso. Parce que nous avons la foi. Comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le corps, le peuple congolais croit que moi, je suis Vital Kamerhe, azali innocent. Tu dis que je juge à cour d'appel, je vais kataper, je vais démontrer l'innocence à Vital Kamerhe. Je vais retenir yango. On va faire des choses.
Mission TV, le miroir du monde.